surveillez vos voisins, ça va pas tarder. Ben, j'espère. On s'installe, on s'installe. S'approche, il s'approche, ça va commencer. Oh, s'approche, ça va bientôt commencer. Si, enfin, j'espère. Le spectacle va bientôt commencer, je vous encourage à vous approcher. Et normalement, c'est pas comme moi, c'est pas moi qui présente. Moi, je suis juste garçon de piste, c'est un peu la première fois que je fais ça. Alors c'est pour ça que je vous dis approcher. En général, il y a quelqu'un qui le fait, c'est Bernard. Parce que moi, Henri, j'ai commencé mon histoire de cirque il y a très longtemps. Et pose tes questions maintenant, ce sera terminé. Voilà, je me présente. Ben ça continue. Moi, je vous le dis. Moi, c'est Henri. Ça fait 30 ans que je travaille pour Bernard. Bernard, c'est le directeur du cirque. Il va arriver, là. Il va bientôt arriver. Et en attendant, en les attendant, je vais vous parler un peu du cirque. Comment tu t'appelles, toi, par exemple? Basile, tu sais ce que c'est, toi, qu'un cirque dans l'ombre? Ah, parce qu'on voit le cirque qui brille. Mais qu'est-ce qui se passe derrière, tu sais, toi? Tu sais peut-être un peu, toi, Basile. C'est peut-être pour choisir pour moi, tant mieux. Ben oui, dans l'ombre, qu'est-ce que c'est un cirque? Dans le cirque, il y a d'abord les animaux. Ben oui, les animaux, faut s'en occuper. Les animaux, faut les nourrir au biberon. Faut faire les papiers pour la douane. Faut leur donner un petit nom qui plaît à tout le monde. Et puis, il faut les nourrir. Il faut charrier le fumier des cages. Et qui c'est qui s'en occupe? Ben c'est Henri. Il n'y a pas que le... Il n'y a pas que les animaux au cirque, dans l'ombre du cirque. Il y a aussi les convois. Ah, les convois. Les caravanes, les joints des caravanes à refaire, les camions à désembourber, faire les contrôles techniques, balancer l'huile où c'est autorisé. Faut charger les remorques. Tout ça, c'est qui s'en occupe? C'est Henri. Heureusement qu'il est là, Henri. Et personne pour dire merci. Mais le pire dans tout ça, c'est ni les animaux, ni les convois. Le pire dans tout ça, c'est les artistes. Il y en a toujours un qui se plaint. Henri, merci, Henri, par là. Henri, où t'as mis mes collants paillettes? Et Henri, ben, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Basile? Il cherche, il trouve. Henri, l'éléphant l'a pissé sur ma caravane. Et Henri, ben, c'est lui qui me dit, j'en dis toi le pipi. Henri qui fait ça. Et il n'y en a pas un pour dire merci. C'est quand même pas compliqué de dire merci. Vous savez dire merci, vous? Attendez, on va essayer quelque chose. Le temps que. On essaye ensemble? Merci Henri. Oh mais ça me fait chaud, ça fait du bien. On recommence? Parce que jamais ils le font. Merci Henri. Ah ça fait du bien, merci. Ah mais tiens. Vous êtes où? Ils sont où les autres? Qui sont? Thank you.
Rock Pépé. C'est comme ça pour les vêtements. Ils sont là, quoi. Vous avez regardé un peu autour de vous? Levez les yeux. Y a pas quelque chose qui vous choque? Hein? Elles sont les caravanes, elles sont les paillettes, elles sont les animaux. Il y a rien là, hein? Ils nous ont laissé. Alors les gars, c'était ton anniversaire, à quoi c'est ça? T'étais pas le premier des derniers toi hier soir, hein? Ouais, bah ça va, bah attends, mais c'est quand même monté. Qui c'est qui a voulu ouvrir le mini-bar et tout ça là? Et sans compter qu'il trafricotait avec l'ours polaire dans la caravane. Non, 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 non. Mesdames et messieurs, un petit coup de téléphone et tout va rentrer dans l'ordre. Pas de panique, notre cirque, il est magique. En attendant, allez l'orchestre, allez, musique. Comment ça, Julie seulement? Oui, 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 je vois bien que c'est le canon, et alors? Oui. Bah, Julie, non, je peux pas faire ça. Julie, mais ça fait 20. Et les enfants? Oui, oui, je sais, c'est... Oui, non, Julie, passe-moi, Julie, ok. L'équipe du cirque vous remercie pour votre participation à cette aventure durant les 30 dernières années. Merci Henri. Pour des raisons économiques, humaines et alcooliques, nous vous informons que cette histoire s'arrête là. Nous plions bagages dans la nuit en toute discrétion afin de vous semer sans ambiguïté. Bonne suite et bon vent. PS. Au vu des dettes qui s'accumulent sur vos ardoises, nous avons embarqué avec nous femmes, enfants, caravanes. Merci de ne pas compliquer la situation, votre ex-directeur Bernard.
Mesdames et messieurs, pas de panique. Après le choc, le chic, notre cirque, il est magique. En avant, allez l'orchestre, allez. Musique. Passe-moi ça, toi. Non mais oh, c'est quoi ça? C'est pour qui? C'est pour qui ça? C'est pour qui? Eh ben c'est pour après. Alors mon petit Basile, toujours content d'être au cirque? C'est qu'est-ce que tu préfères comme numéro toi au cirque? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Les acrobaties, ça tombe très très bien ça. Oh c'est parti pour des acrobaties. Mesdames et messieurs, numéro de trapèze. Elle a fait l'école du cirque de Bulgarie, s'est fait remarquer dans toute la Sibérie, connue dans tous les casinos de Las Vegas pour son numéro de chaussures de ski en trapèze volant. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir en silence Cynthia qui s'élance. Position? C'était? Oui? Ah non, c'était? Une vache, bravo, on peut l'applaudir! Nagerie! Oui, c'était le chien, c'est bien, c'est bien.
C'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on a des propositions? C'est. Un renne, une autruche. C'est ça? Un scorpion. Un lion. Non? Mais c'est dur là. Un perroquet. Un insecte, il me dit c'est un insecte. On avait le dindon, c'était pas mal, ça ressemblait. Un insecte, me dit-il. Un cafard, j'entends là. Le coléoptère, mais c'est trop compliqué. Magicien de métier, alors il m'avait montré deux trois trucs. Vous voulez bien? Bon. Ah, mon père, c'était un sacré un super magicien. Mon père, il faisait tout. Il faisait apparaître des lapins, des colombes, bah, toutes sortes de zozios. Il est même un pélican, même une fois. Incroyable. Et moi, je le suivais partout, j'étais son fils. Il m'emmenait dans les soirées cabaret, magie, baptême, mariage et tout. Il m'avait même appelé Abraham. Parce que bah, quand j'arrivais sur scène, ça faisait Abraham, Kadabraham. Ouais. Et alors, son grand numéro à papa, c'était qu'il prenait un genre du public, parmi les spectateurs, il l'amenait sur la piste, sur les strates, quoi. Et puis, il allongeait comme ça au sol. Et puis, quand il levait les mains, eh ben, le machin, il tirait tout seul dans l'air. Incroyable. Il a cartonné avec ça. Ah ben, les cartes. En parlant de cartonner, ça, les cartes, papa, c'était incroyable. Il disait que chacun, il a sa carte de cœur, de son cœur. Enfin, pas cœur, pique, trèfle, carreau. Ouais. Vous avez compris? Ouais, je vous explique. Bon, par exemple, bon, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'avait dit, toi, Abraham, mon fils, ta carte, c'est l'as de cœur. C'est l'honneur, l'as de cœur. Alors, il battait les cartes comme ça, il mélangeait bien, et puis il épelait le prénom. Bon, ben, moi, c'est Abraham. Donc, il faisait donc as de cœur, donc Abraham, A, B, R, H, M. Et ça tombait sur l'as de cœur à chaque fois. Et tout le monde, il a sa carte. Toi, t'as ta carte aussi. Comment t'appelles? Basile. On va regarder si t'as ta carte. On regarde. Alors, attention. Donc, Basile. Donc, 8 de trèfle, donc B, A, S, I, L. 8 de trèfle. Ah, non. Ça s'écrit comme ça? Ah, il y a un E. Ah, voilà, 8 de trèfle. À chaque fois, il a sa carte dans son cœur. Incroyable. Et papa, il disait, la magie, c'est dans le cœur. On peut applaudir Basile. Thank you.
Notre cirque n'est pas seulement magique, il est aussi exotique. Et nous avons la chance d'accueillir parmi nous le grand fakir qui va tout
Let's go.
On a les plus modernes. Et ils veulent récupérer les pinces. Jamais pas tout, on se souvient bien, oui. Ah oui, bien sûr. Oh, bon, c'est bien. Oui, monsieur, toutes les musiques, oui. Ah, je vérifie. Je vérifie un instant. Ah, vous avez une chance extraordinaire! Tout le monde est disponible aux dates! Ah. Oh oui, oui, on se dit tout, oui. Jean pour Macédoine, oui, très bien. Tous dans la même chambre, oui, c'est possible. Oui, oui.
Ah oui, oui, tous les jours, ah oui, oui, bien sûr. Ah, vous pouvez compter sur nous. Alors là, là-dessus. Ah oui. Ah oui, je vous envoie ça, n'ayez crainte. Pas de problème. À très bientôt, alors. Excellent. À la salle polyvalente de Mordel. Mais ils veulent de la musique moderne. Mais c'est ta chance, toi, le jeune. Ah oui. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, là? Essaye. Ah oui! Sigue dando por el
Merci à vous, mais c'est pas tout ça. Mais c'est pas tout ça. On a une tournée qui nous attend. Partir pour Mortel. Ouais. Allez hop, en piste. Cirque Pépère pour cette dernière à la basse-cour. Voilà, un grand merci à toute l'équipe ici qui nous accueille. Venez nous voir, on a des CD, des affiches à prix libre et tout ça. Et puis si jamais vous avez un festival et des gens qui veulent faire du cirque dans votre jardin, c'est possible avec le Cirque Pépère. À bientôt.